Alors que les coureurs sont encore dans leur hôtel, le bus et le camion technique sont en place pour le contre-la-montre final de cette 47e édition de l'Étoile de Bessèges. Depuis tôt ce matin, les mécanos ont la tête dans le guidon. Ce matin, c'est 8 chronos à préparer. Et ensuite, les vélos de route qu'on va installer sur les hommes traîneurs suivant leur départ respectif en fait. Donc en fait, on a des demandes des coureurs sur les braquets. Il y en a pour certains des changements de position, comme Sylvain qui veut modifier sa position du prolongateur. Donc après, ils vont faire un tour de chauffe tout à l'heure pour repérer le circuit. Puis après, ils vont nous dire le ressenti et puis on modifiera derrière ou pas pour l'ultime départ. Quoi. Souvent dans l'ombre, les mécaniciens du team Direct Energy sont des hommes clés de la performance des coureurs. C'est un plaisir puisque le chrono, on va vraiment chercher dans les petits détails et c'est ce qui fait la différence sur des centièmes de seconde au résultat. Quoi. Donc c'est ce qui fait plaisir, c'est que là, la mécanique est vraiment mise en valeur. Quoi. Les coureurs arrivent au compte-gouttes en fonction de leur horaire de départ. Fabien et Péric seront les premiers à s'élancer. Si pour eux, obtenir un résultat aujourd'hui ne constitue pas un objectif, ils ne vont pas pour autant se laisser abattre. C'est bien aussi de transpirer un peu, d'essayer de faire évacuer un peu les toxines, de remettre une petite couche à la fin parce qu'il y a une bosse, mais non, c'est plus tranquille, on aborde vraiment cette dernière journée beaucoup plus calmement que les autres étapes. Avant de repousser ses limites pendant 12 km, le home trainer est un passage obligé pour tous les coureurs. Ouais, je pense qu'à peu près tout le monde en fait. Après, voilà, il y en a qui font plusieurs temps. La majorité du temps, on va repérer le parcours et après, on s'échauffe vraiment sur le trainer pour bien monter en pression et être tout de suite dedans dans le chrono. Avant de s'élancer sur la rampe de lancement, tous les vélos sont passés au crible par l'UCI. Que ce soit la longueur de repose-main, des leviers devant et du recul de selle essentiellement. L'inclinaison de la selle aussi, il y a un angle à respecter entre 0 et moins 5 degrés il me semble. Donc il y a des distances à respecter et à chaque départ de contre-la-montre, l'UCI fait un contrôle des normes qui sont à respecter. Les départs s'enchaînent, 127 coureurs sont encore présents pour ce dernier jour de course, dont les deux espoirs de victoire du team Direct Energy, Lilian Calmejane et Sylvain Chavanel. Il ne faut jamais trop s'avancer parce qu'un chrono c'est toujours un effort à part. Des fois vous pouvez être bien à l'entraînement, malheureusement en course ça passe pas. Mais ce que j'ai ressenti cette semaine c'est que physiquement ça va bien. Dans la voiture du directeur sportif qui suit Sylvain, la tension est à son comble. Allez, on tire, on pousse les pédales. Allez Sylvain, c'est bien ça. Allez, la machine, allez, c'est parfait là Sylvain. Allez, on embraye, hein. Allez, là, t'as le bon braquet là. Allez, ça tourne les pattes. Allez. 16 minutes 50 là pour l'instant. Allez. Allez, tu peux le faire là Sylvain. Allez Sylvain, tu vas faire un super temps. Hein. Allez. À l'arrivée, Sylvain réalise le quatrième meilleur temps et c'est Lilian Calmejane qui confirme son statut en réalisant le deuxième temps de ce chrono et remporte donc l'étoile de Bessèges 2017, tout simplement magique. Merci. Bravo. Félicitations, grand. Calme-nous, toi, le monde. Félicitations. Ça va. Il faut une petite place. Très heureux d'avoir pu conserver le maillot après la victoire d'étape et le travail qu'il y a eu hier fait par toute l'équipe. Donc ça aurait été un peu rageant de perdre. Après voilà, il n'y avait pas de regret à avoir. C'était un chrono où il fallait bien se gérer mais tout donner. C'est un contre-la-montre individuel, c'est à la pédale, quoi. C'est la loi du plus fort. Donc aujourd'hui j'avais des bonnes sensations à l'échauffement déjà, puis ça s'est confirmé sur le terrain. Une très belle journée pour le team Direct Energy puisque sur le front espagnol, Brian Coca remporte la dernière étape du Tour de Valence. Une saison qui démarre en fanfare. Les jaunes et noirs comptabilisent déjà 3 victoires et ce n'est que le début.